Merci beaucoup. Bonsoir, Jane. Bonsoir, Peter. Je suis Lucienne Trillot. Voici ma sœur Laurence Trillot. Et enfin, Louise Trillot. Ensemble, nous formons un trio de comédiennes sans emploi, hélas. Oui, nous avons une proposition à vous faire. Madame ! Vous criez madame ! Alors voilà, cet été, vous allez partir en tournée avec l'aide-mémoire. Bon, que diriez-vous si pendant votre absence, nous continuions à jouer la pièce à Paris ? Ils vont me la tuer. Mais où va elle ? Madame ! Excusez-la, je crois qu'elle cherche Jean-Claude Van Damme. Ben, on a compris, oui. Oui. Oh non. Oh non. Voyons, que disais-je, que disais-je ? Reprendre l'aide-mémoire pendant qu'ils sont en tournée. C'est ça. Alors vous allez me dire, l'un des deux rôles est masculin. Ah non, ah non. Et nous sommes trois filles. Ben, pas de problème. Je peux facilement jouer un homme. Écoutez-nous, s'il Regardez. Vous plaît. Regardez-la. Je peux facilement jouer un homme. Voici. Ben alors maintenant, poupée, prends tes locks et casse-toi. J'aime l'amour en tandem, mais le sommeil en solo. Allez, bien. Allez, dégage. Ah non. Non, mais votre sœur, elle bave partout, c'est dégueulasse. Mais d'où il va ? Ah non ! Oui, 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 écoute, Louise, idéalement, il faudrait aussi rajouter un troisième rôle, bien sûr. Mais oui, par exemple, la femme pourrait avoir un petit animal domestique, un petit chat, un petit chien. Non ! Un petit vendeur ! Bien sûr. Ensuite, il faudrait donner à chacune le rôle qui lui convient le mieux. Et pour moi, pour jouer le rôle de monsieur Ardito Giroudi, il faudrait juste que je rentre un petit peu la poitrine. Pas beaucoup. Oh, Louise, va t'asseoir. Soyez gentil, monsieur Gildas. Oui, c'est formidable. Continue. Oui, mais alors on dira que le personnage de... Ardito, s'il est comme ça, on dira qu'il se fait piquer aux hormones, comme... Madame ! Non, le travesti brésilien ! Bon, oui, écoutez-moi, oui. Écoutez-moi. Oui, on vous écoute. Asseyez-vous, Louise. Pensez-vous que monsieur... Tiens, alors voilà. Bah oui. Pensez-vous que monsieur Dabadi se vexerait si on changeait un peu sa pièce ? Non, mais c'est pas Dabadi. Oh, c'est moi ! Vous savez quoi ? Non. Ils n'ont pas venu, madame ! Non, il n'est pas venu, Van Damme. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de répondre tout de suite, mais quoi que vous décidiez, merci d'avance. Oh non ! Bon, je voudrais rappeler quand même que c'est à la Comédie des Champs-Élysées que ça s'appelle l'aide-mémoire. Et que ça n'est pas de Jean-Loup Dabadi. Que c'est de Jean-Claude Carrière, mise en scène de Bernard Murat avec Jeanne Birkin et avec... Monsieur Arditi, s'il vous plaît. Espèce de débile profond. Tu le verras, tu le verras, je te le promets. Elle aime beaucoup Jean-Claude Van Damme. Oui. Faut peut-être enchaîner, là. Non, pas du tout, je regarde le phénomène. Oui, bien qu'elle va s'étouffer. C'est formidable. J'espère qu'elle va s'étouffer, que c'est la dernière fois qu'on la verra. C'est tous les soirs, sauf le lundi. Merci à vous d'être venus en notre compagnie ce soir. Merci à Jen. Merci, mon cher Vite. Je peux plus... Nous recevrons lundi Michel Creton. Vous savez, les grandes affiches qu'on vous a présentées, il se bat pour les handicapés depuis des années. Très longtemps. Depuis très longtemps. Il sera là lundi soir. Bon week-end à vous tous et travaillez bien. Et je vois que vous vous amusez bien, en tout cas.